Coucou, on se retrouve comme convenu pour la présentation de la petite maison à oiseaux que j'ai customisée. Ça va être une présentation très très rapide, vous allez voir. De toute façon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous ai dit que je la referais parce que ça n'allait pas. Enfin voilà, il y a eu des petits bugs. Et bien donc voilà ma petite maison à oiseaux qui nous restera dans ma scrap room, hein, faut être honnête. Donc je vous passe très rapidement. Vous voyez, j'ai même gardé un petit peu de la couleur parce que de la couleur bleue, c'est même pas bleuté, c'était plutôt mint. J'en ai gardé un petit peu, j'ai trouvé que c'était joli. Si vous voyez des petites touches de blanc par-ci par-là, c'est qu'en fin de compte, après avoir peint, donc j'avais peint dans les couleurs prévues au départ, j'ai trouvé que c'était trop flashy. Moi, j'ai une scrap room un peu dans les teintes, bah, vous voyez, hein, vous les avez là, teintes un petit peu shabby. Donc, honnêtement, puis vous avez dû voir, enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu une partie, une petite partie de ma scrap room. Et honnêtement, c'est plutôt ces teintes-là. Donc, j'ai passé par-dessus. Alors là, il n'y a que là où je vais sûrement changer des petites choses. Je vais sûrement peut-être rajouter une fleur. Honnêtement. Pour l'instant, j'en sais rien, je l'ai pas refait, de toute façon, j'en ai pas refait de fleurs. Il n'y a que là et là où ça me plaît moyennement, enfin voilà. Mais c'est voilà, c'est pour décorer, ça c'est l'arrière, donc à la limite, c'est pas non plus une catastrophe. Hein. Voilà, là j'ai fait un petit zigouigoui. Là j'ai fait ça esprit, donc esprit mousse, hein, pour que ça donne l'aspect mousse. Là c'est des feuilles faites une par une. Je vous montrerai tout ça lors de la prochaine vidéo où voilà, où ça sera. Alors ça c'est fait par moule, hein, ça c'est moulé, hein, toutes les feuilles là, voilà. Par contre les roses, bien sûr que non, c'est pas moulé parce que de toute façon les moulages de roses, honnêtement c'est pas terrible, hein, c'est même moche. Vous pouvez appeler un chat, enfin, sauf certaines, mais voilà, c'est pas. Moi, je préférais les faire à la main. Ça, c'est fait effet mousse. Bien sûr, c'est aussi fait à la main, mais c'est tellement simple que. Enfin, voilà, mais je vous montrerai quand même. Et bien sûr, bah, les petites arabesques là sont aussi faites à la main. Les toutes petites feuilles là sont aussi faites à la main. Enfin, à la main, c'est-à-dire sans moule. Hein, voilà. Là, j'ai un peu barbouillé, je viens de m'en apercevoir à l'instant. Bah, tant pis, il faudra que je repasse un petit coup de blanc. Un petit coup de. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, la petite barbouille, elle est passée là. Parce que ça, par contre, je l'ai peint après. J'aurais peut-être dû le peindre avant, mais bon, c'est pas grave. Les feuilles, je les avais peintes avant. Les roses, je les ai peintes après. Après les avoir posées. Bah, écoutez, alors. Il y a sûrement mieux, hein, mais moi je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais rajouter par contre, vous voyez, un petit peu de blanc à cet endroit-là, parce que ça fait trop flashy fuchsia, donc je vais repasser un petit peu de blanc au niveau du cœur. Mais sinon, voilà, je pense que ça sera mignon, ça va aller dans ma scrap room. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!